sur ce 800 mètres. Abdelsan Kedouche, qu'on devrait retrouver tout de suite aux toutes premières places. C'est lui qui va amener ce 800 mètres. Il a l'habitude. Il doit passer autour de 52 secondes à la mi-course. Jérémia Moutaï Kenya en deuxième position. Attention à suivre également le débardeur orange de Ramzi Abdenouz, l'Algérien qui vient de remporter cette semaine le meeting de Mona. Les gars, il va falloir s'accrocher à la foulée d'Abdelsan Kedouche. Lui, il est parti. Derrière, il faut le couler. Il faut le suivre. Abdelsan Kedouche. Jérémia Moutaï. Xavier Kirongo, Kenya. Ça va être la bagarre avec un bon temps de passage à la mi-course. Jérémia Moutaï, Kenya, qui est devant. Attention à l'affût. Sami Kirongo, Kenya, légèrement à l'extérieur. Ça se regroupe là-bas, à ligne droite opposée. C'est loin d'être fait. Une course qui devient plutôt tactique. Regardez si c'est beau. Le 800 mètres, ils sont quasiment 4 voire 5, quasiment, mais pourquoi pas 6, jusqu'à Clément Desnoms là-bas. Ça peut se jouer. Jérémia Moutaï qui rentre en tête. Voilà, ça va être chaud. Regardez l'emballage final. Et ce sera, wow, yes, la victoire pour Ramzi Abdelouz, l'Algérien qui, après avoir remporté le meeting de Bologne, Jean-Jacques, s'impose à Sergi ce soir. Oui, le même finish que mercredi soir pour ce garçon. Alors, on va dans un chrono dans quelques